Eh bien, bonsoir. Nous revoilà au Café Tabac, bar brasserie Le De Javet, pour l'émission Radar numéro 71 du dernier jour du mois de janvier 2019, donc le 31 janvier 2019, émission 71, intitulée Lettres closes. Alors, avant de rentrer dans l'explication du titre de l'émission, là, bien sûr, je vais parler de notre émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018. Intitulée Légitime défiance, toujours portée disparue comme messieurs Sentsov et Jamal Khashoggi. Alors, le mouvement nationaliste France Insoumise, Trademark et les suicidés de la 5e République française respectent les standards de la communauté Facebook. Voilà. Donc, ensuite, moi, comme chose importante, avant de rentrer dans le sujet, je voudrais vous faire passer un message d'Angélique Cour. C'est un message qu'elle a passé sur les réseaux sociaux le 20 janvier 2019. Donc, voici le message. Les néo-nazis grecs d'aube dorée ont reconnu mon collègue et ami Thomas Lokabi dans la manifestation nationaliste de ce dimanche. C'est toi qui as fait le film sur aube dorée ? Ils lui sont tombés dessus à 5 minimum. Thomas dit qu'ils étaient certainement plus. Ils l'ont cogné au visage à coups de poing et sur le corps à coups de pied. Ils ont cassé son matériel d'enregistrement, détruit frénétiquement son casque audio et son magnétophone. Ils ont ouvert son sac, volé ses cahiers de notes, ses papiers, ses stylos et son chapeau. Malgré ses appels au secours, la police n'est intervenue qu'en fin de castagne. Personne autour n'a bougé. Pourtant, le monde ne manquait pas. Et c'est ça qui me fait le plus pleurer, l'indifférence. Quant à mes petits nazillons préférés, qui n'ont pas aimé notre premier film Aube dorée, ils n'ont encore rien vu, on en prépare un second. Donc, moi je leur dis à la fois bravo, parce que c'est courageux, et effectivement, il ne faut rien céder aux fascistes. Alors, les néo-nazis Aube dorée qui officient en Grèce, mais nous, on a tout le caca, toute la merde des Alain Soral et des Dieudonné en France. On a aussi le syndicat Alliance d'extrême droite de la police. Donc, on a nos petits nazillons en interne et il faut faire face. Il faut leur dire non, on va parler de votre violence. On va parler de vos accointances nauséabondes et vous ne nous ferez pas taire, vous ne nous ferez pas peur. Voilà. Donc je rends hommage à Thomas Lokabi et à Angélique Cour qui, carrément, ben, font un joli bras d'honneur à Aube dorée. Voilà. Et donc je m'associe à eux parce que c'est quand même Radar, radio anarchiste diffusée à République. Voilà. Brigitte Bollet qui nous a rejoint. Eh bien, bonsoir Brigitte. Ainsi que Dick Rush qui nous félicite pour toutes nos initiatives. Un petit coucou de notre part à tous. Bien sûr, je vous remercie. Il va déjà de la part de Marc, parce que Marc, on ne l'entend pas beaucoup, on ne le voit pas beaucoup. Mais avec Pierre et Nina, ils ont assuré une émission Radar. C'était la première où j'étais spectateur. Et j'ai beaucoup apprécié d'être devant mon ordinateur à regarder en direct ce qui se passait au bar Le Ventre de l'architecte. Voilà, c'était vraiment très intéressant, même si malheureusement mon anglais ne me permet pas de comprendre toute la substantifique moelle. Mais il y a l'essentiel. Voilà, donc, lettre close. Alors, c'est pour répondre à une lettre qui a été diffusée le dimanche 13 janvier dernier et qui est signée Emmanuel Macron. Je dis bien qui est signée Emmanuel Macron parce que moi, en la lisant, ben, j'ai reconnu le style de plusieurs personnes, dont notamment Jacques Attali. Donc, cette missive qui est une véritable immondice, vu qu'à l'intérieur de cette missive, des questions qui contiennent les réponses sont posées. Donc, à un moment, par rapport à la démocratie, le petit cron ose par ses prêts de plume interposés, se poser la question du tirage au sort. Alors, de quoi, je sais quoi, il va tirer au sort parmi ses ministres, le prochain Premier ministre, on s'en bat les couilles. On ne sait pas qui va être tiré au sort. Donc, le tirage au sort, c'est nul et non avenu. Alors, il va peut-être... Alors, attention, c'est un dealer très dangereux. Il va instiller de la proportionnelle dans les élections.
Tu vois, mais il faut faire gaffe, hein, parce que la proportionnelle, ça conduit à la démocratie. Hein. Et la démocratie, faut pas dépasser la dose prescrite. Hein. On va pas instiller de la proportionnelle, on veut une proportionnelle réelle. Et même nous, anarchistes, bon, on veut plus de pouvoir délégué. Parce qu'on veut que toutes les minorités puissent s'exprimer. Et donc, le pouvoir délégué, le vote, ce n'est pas la démocratie. Donc, c'est comme le mode de scrutin. Voilà. Au lieu de répondre point par point à des conneries immondes comme comment ne pas éprouver la fierté d'être français, moi j'ai préféré écrire ma propre lettre. Mais c'est aussi une lettre close parce que c'est le point de vue de Roger Nimot par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et donc, je vais démarrer tout de suite. Donc, les désirs bureaucratiques de quantification, de planification et de contrôle sont de mortelles impasses sanitaires et sociales. Pesticides, amiante, extractivisme et filières nucléaires en sont de catastrophiques, mortifères et malheureux exemples. Alors effectivement, dans toute la bafouille que j'ai nommée avant, hein, du 13 janvier, le mot nucléaire, pesticides ou amiante n'apparaissent pas. Donc visiblement, tout va bien. Alors les territoires considérés par l'État-nation français comme siens ne sont pas gérés dans le respect des intérêts sanitaires et sociaux des territoires et des populations locales. Le projet minier Montagne d'Or, des groupes Columbus Gold et Nord Gold, et les forages pétroliers offshore du groupe Total en Guyane française en sont de symptomatiques et malheureux exemples. Voilà, parce que, il faut que je vous cite quand même, c'est pourquoi la France est de toutes les nations une des plus fraternelles et des plus égalitaires. Voilà. Ce sont des affirmations péremptoires. Donc, chez les populations françaises, ceux qui échangent la subordination des fruits de leurs travaux contre l'argent que fabrique la banque privée BCE financent aussi les pensions de tous les anciens esclaves salariés nationaux. Ceux qui disposent des plus grands revenus, lorsqu'ils paient des cotisations sociales, les qualifient de charges. Les impôts directs sont considérés comme lourds par ces mêmes personnes. La solidarité est toujours un fardeau pour tous les privilégiés. La moitié seulement des actionnaires du CAC 40, parce qu'il faut comprendre que le MEDEF représente les entreprises cotées au CAC 40. Donc c'est les 40 entreprises qui font la cote sur la bourse en France. Donc cet indice, le CAC 40, eh bien la moitié des actionnaires des entreprises, ils font partie de la population française. Ils font pas partie de la population française. Donc voilà. Donc ce sont pourtant eux qui sont les faiseurs de roi. Donc au début, quand on dit chers Français, mes chers compatriotes, eh ben on s'adresse pas aux entreprises du CAC 40 parce qu'eux, ils sont pas français, ils ont rien à foutre des Français, ils en ont rien à foutre des territoires français. Voilà. On va pas dire l'expression vulgaire, mais tout le monde aura compris. Donc chez les populations françaises, l'éducation est soumise à une sélection économique et sociale institutionnalisée. La santé des riverains d'installations industrielles est criminellement négligée. Les empoisonneurs publics et privés ont leurs entrées dans les ministères et toutes les assemblées nationales et internationales. La sécurité des biens des plus riches prime sur la protection des vies citoyennes. La justice est impitoyable et immédiate pour les pauvres, différée et conciliante pour les riches. L'accès aux travaux salariés est de plus en plus restreint grâce à une croissance continue de la productivité. Le partage équitable des efforts est rigoureusement impossible sans un partage équitable des revenus qu'ils génèrent. Des cotisations sociales devraient être payées sur tous les revenus afin que les machines cotisent pour les êtres vivants qu'elles sont censées servir. Toutes ces injustices sont rendues possibles par l'application littérale et stricte de la Constitution militaro-industrielle de la Ve République française de 1958, qui fait de l'État-nation français une dictature constitutionnelle, militaro-industrielle et néo-impérialiste de fait. L'État-nation français est complice des pires dictatures militaires, voire confessionnelles. Cette complicité avec des États-nations où les sexualités des populations locales, leur philosophie et leurs croyances sont considérées comme des crimes capitaux,
est criminel et surtout totalement antinomique avec les principes républicains originaux. Les grands électeurs, les découpages électoraux, la non-reconnaissance du vote blanc et le non-respect des choix référendaires populaires passés, choix opérés sans la contrainte politique d'un éventuel coup d'État, font que nos voix et nos mobilisations de masse n'ont aucune influence sur les choix régaliens vitaux qui devraient être les nôtres. Comme dans le cas du naufrage du Titanic, nous sommes toutes et tous dans le même bateau, mais l'accès aux chaloupes est nettement plus démocratique pour les premières classes. Comment éprouver de la fierté à collaborer contre notre volonté à bombarder les populations du Yémen, qui sont parmi les plus pauvres du monde, à recevoir comme un allié et un ami un des grands argentiers du terrorisme international qui a fait récemment démembrer vivant un journaliste. Comment éprouver de la fierté à élire régulièrement une personne qui s'arroge la possibilité de carboniser des populations et de contaminer durablement les territoires auxquels elles appartiennent en notre nom. Je sais faire la différence entre une nausée passagère et une frustration systémique. Je sais aussi qu'il ne sort jamais rien de bon d'une colère. Les impôts ont normalement pour vocation de répartir les revenus. Ils ne doivent être élevés que pour les revenus élevés. Ainsi, la disparition totale de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, et le rétablissement d'un véritable impôt sur la fortune, ISF, seraient des mesures fiscales bienvenues et équitables. Les mondes nationaux du travail salarié sont toujours les bras laborieux et malheureusement souvent armés du monde de la finance internationale. Voilà pourquoi l'abolition du salariat est le terme de tous les capitalismes et l'abolition du nationalisme, le terme de tous les impérialismes. Je ne veux pas plus, je ne veux pas plus, je veux mieux. Moins de travail, c'est mieux, car c'est plus de pouvoir vivre. Moins de travail, c'est moins de revenus, mais c'est aussi et surtout moins d'accaparement de ressources, moins d'énergie, moins de pollution mortifères et durables. Nous devons toujours préférer l'équité à la prospérité, la santé à l'efficacité. La première égalité, c'est l'équité. Exactement. Une société plus juste est une société où les voleurs prétendent à plus d'honnêteté ? Ah non, il n'y a pas de société plus juste, il y a des sociétés justes ou des sociétés injustes. Mais les sociétés plus justes n'existent que dans la bouche des gens malhonnêtes qui prétendent qu'ils vont devenir plus honnêtes. L'amour est patient. La réussite individuelle est un écueil social. Partager le travail, nécessaire et indispensable à la satisfaction de nos besoins communs, réserver la propriété privée à la seule propriété d'usage, abolir les armées de métier et concevoir une véritable défense civile de toute vie. Les conditions d'une grande paix universelle n'ont jamais été aussi proches. Tous les peuples veulent cette paix. Seuls les États-nations et les transnationales font du terrorisme international l'indispensable condition anxiogène de leur violente résilience. Nous devons accepter toutes les insultes et toutes les formes de violence s'exerçant contre nous. C'est malheureusement le seul chemin viable vers notre vitale non-conversion au dogme abominable de la violence légitime. Il faut interdire aux marchands de mort, ainsi qu'à tous leurs violents nervis, assermentés ou non, publics ou privés, d'influer sur les politiques en exerçant des mandats au nom des peuples. Les agressions systématiques et hyper-violentes indiquent la terreur qu'inspire à tous les privilégiés
une victoire non violente, insubordonnée et active, même circonscrite au niveau de l'espace et du temps. Un charpentier cloué sur du bois, voilà l'image terroriste, le logo rassurant et doloriste que les églises impériales et bourgeoises ont adopté. Le message est très clair. Si vous voulez un monde juste, voilà ce qui vous attend. Le 26 mai 2019, nous aurons l'occasion de faire une démonstration de force insubordonnée, non violente et active, à la face du monde. Contre tous les faux espoirs entretenus par tous les faux prophètes des états-majors politiques et syndicaux, nous boycotterons le scrutin à l'initiative de la gouvernance de l'Union européenne. Gouvernance dont nous avons refusé tous les principes constitutionnels, démocratiquement et à la proportionnelle réelle, par référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005. Ce boycott sera dédié à tous les peuples européens, aux Basques, aux Bretons, aux Corses, aux Catalans, et j'en passe. Les peuples qui appartiennent aux territoires gérés par l'État-nation français, mais qui ne sont pas européens, pourront, à cette occasion, relever fièrement la tête et refuser, grâce à ce boycott électoral, les criminelles prétentions bureaucratiques et industrielles d'un État-nation au service des intérêts financiers de transnationales, qui partout pillent toutes les ressources minérales, végétales, animales. Or, nickel, radionucléides polluent durablement les territoires des peuples Kanak, Maoï, Caribé, Kalina, et j'en passe. La démocratie, c'est le pouvoir des peuples, de tous les peuples, fussent-ils asservis, intégrés, niés. La démocratie, c'est un système où toutes les minorités partagent la gestion commune des territoires auxquels elles appartiennent. Les bureaucrates de l'État-nation français ont mis en place un système constitutionnel qui permet à une minorité d'accaparer, sans contrôle ni partage, tous les pouvoirs exécutifs. La constitution de la Ve République française n'est pas démocratique, car elle permet constitutionnellement de gouverner par décrets, lois et ordonnances. L'Espagne de Franco et le Chili de Pinochet disposaient d'une constitution. Il n'est pas besoin d'être prospère pour être généreux. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors ça, c'est le charpentier cloué qui a dit ça. Alors, la lutte contre la croissance est le vital chemin vers le partage du travail et des revenus qu'il génère. Les armées et les entreprises sont les abominables creusets de mondes mortifères, policés et totalitaires. L'efficacité est pillage, gaspillage, bombe humaine. Respectons la viable lenteur durable des cycles imbriqués de toutes les espèces vivantes. Aujourd'hui, tous les investissements publics sont soumis obligatoirement à payer des taux d'intérêt auprès de la Banque centrale privée de la gouvernance de l'Union européenne. Ce qui n'est pas le cas des prêts accordés aux banques privées nationales. Les banquiers sont des citoyens européens auxquels tous les consommateurs captifs de la zone euro sont subordonnés corps et âme. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. 6. Mise en place par la gouvernance de l'État-nation français est un pillage systémique des efforts des peuples français par les entreprises et les banques privées. Prétendre qu'il est impossible de baisser la pression fiscale sans baisser les vitaux investissements publics, tout en refusant de rétablir l'ISF, est une déclaration de guerre sociale totale. Proposer comme solution la suppression de services publics plutôt que le démantèlement immédiat et définitif des dangereux et dispendieux arsenaux terroristes thermonucléaires nationaux ou les vitales dissolutions du CEA, de la DGA, d'Orano, de Framatome, du MEDEF et de la FNSEA est criminellement sournois. Pourquoi ne pas proposer de faire l'économie immédiate et définitive du nuisible et dispendieux président d'un royaume où les peuples sont censés être souverains, des préfets, vestiges impériaux non élus,
et des sénateurs élus par de grands électeurs cooptés. Une remarque de Franck Payen, oui, qui nous dit que Jésus, c'est lui. Eh bien, bonsoir Jésus. Pourquoi ne pas utiliser les possibilités techniques de la cryptographie quantique pour que les individus puissent s'autogérer localement et globalement sans jamais déléguer à quiconque leur pouvoir de décision? Souvenons-nous, l'ensemble de la mortifère filière nucléaire française a été imposé au peuple français sans aucune concertation, sans débat et sans vote, par un gouvernement provisoire non élu. Aujourd'hui, les vitales fermetures d'installations nucléaires sont pourtant conditionnées à des ouvertures de nouvelles installations nucléaires. Cela nous est imposé sans débat, sans concertation et sans vote par un Premier ministre qui a collaboré contre rétribution avec le lobby nucléaire mortifère. Le seul moyen pour répartir les efforts dans le cadre de sociétés à forte productivité est le partage équitable du travail et des revenus qu'ils génèrent. L'interdiction des taux d'intérêt positifs et une fiscalité qui rend impossible la concentration des richesses aux mains de quelques-uns sont indispensables. Faire des économies au niveau des investissements publics, c'est mettre les peuples au service de l'argent, avec pour conséquences sanitaires et sociales celles que nous pouvons malheureusement observer en Grèce. La disparition programmée et préméditée par les gouvernements des pays membres de la gouvernance de l'Union européenne, de la hiérarchie des normes, a, pour tous les peuples, les mêmes terribles conséquences. Décidée par décret-loi de la disparition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, nous permet de mieux comprendre pourquoi la signature de pactes sociaux est exclusivement réservée aux états-majors syndicaux agréés. L'organisation des transporteurs routiers européens va pouvoir utiliser les réseaux routiers des territoires auxquels nous appartenons de manière fraternelle et républicaine, sans bourse déliée, ni avant ni après 2020. Ce qui est déficitaire fait l'objet d'investissements publics qui enrichissent les banques privées. Ce qui est excédentaire est privatisé. Comme au casino, la banque est toujours gagnante. Les peuples commencent à refuser de jouer à ces criminels jeux de dupes où ils sont endettés publiquement par leur gouvernement à seule fin de faire croître les profits privés. Commencent à franchir de tous les mortels parasites privés et publics qui instrumentalisent les administrations et ce qui reste des services publics tout en les désignant comme les boucs émissaires des nuisances que les peuples subissent. En démantelant les États-nations et les transnationales qui promeuvent la croissance militaro-industrielle en nous contraignant violemment à des marches forcées économiques vers une mortelle impasse écologique, planétaire, sanitaire et sociale. Les adversaires de tous les peuples sont donc clairement identifiés. Quelle stratégie adopter pour échapper à nos seigneurs? Alors nos seigneurs, S-A-I, G-N-E-U-R-S, point d'interrogation. Ce qui nous saigne. Eh bien, une politique laïque d'insubordination non violente active, interpopulaire, interespèce et interplanétaire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, de la vie, il n'y en a pas que sur Terre, l'univers est immense et de la vie intelligente, il y en a obligatoirement ailleurs, même dans notre propre galaxie. Donc, il va falloir partager, et alors la laïcité aussi c'est important, parce que on ne peut pas utiliser des critères confessionnels pour rajouter un niveau de division entre les peuples. Voilà, ce n'est pas acceptable. Donc, les bases communes, ce seront le respect de la vie. Le respect de la vie, voilà. Nos emplois ne valent pas leur vie. Alors, c'est... Qui est la personne sur... Alors, Ali, c'est le neveu d'un des principaux opposants à la famille Saoud. Donc,
une monarchie confessionnelle, une pétro-monarchie confessionnelle qui est sexiste, qui ne respecte pas les femmes, qui ne respecte pas les droits de l'homme, dans laquelle le simple fait d'être athée est criminel, qui est considéré par l'actuel et par les présidents de la Ve République comme un allié et par l'actuel président de la Ve République comme un ami. Un personnage que j'ai cité tout à l'heure en expliquant qu'il avait fait démembrer vivant un journaliste, voilà. Mais bon, mais on n'a pas retrouvé le corps, donc pas de corps, pas de crime, voilà. Donc, on nous parle d'efforts et de travail, et à chaque fois, on nous ramène ça à l'emploi. Mais l'emploi, c'est pas le travail. L'emploi, c'est l'esclavage salarié. Et moi, je dis, les gens qui travaillent à fabriquer des grenades GLI ou des LBD-40, eh bien, ils arrêtent tout de suite parce qu'il ne s'agit pas d'un travail. Détruire, c'est pas un travail. Les gendarmes et les policiers qui ont été détruire les lieux de vie et les jardins en permaculture à Notre-Dame-des-Landes n'ont pas travaillé, ils ont détruit. Ceux qui détruisent, ce sont des casseurs, ce sont des voyous, ce sont des petites frappes, et peu importe qu'ils soient assermentés. Voyez-vous, moi, Benalla, quand il met des coups de tatane à quelqu'un qui est par terre et qui n'est pas armé, je me fous de savoir s'il fait partie de la police ou pas. Frapper un homme à terre, désarmé, à coups de pied, c'est condamnable. Même si tu es assermenté, que tu fasses partie de la police ou que tu fasses partie de l'armée, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, on est bien là dans des confusions extrêmement graves. Et moi, quand je vois que parmi toutes les dizaines de victimes qu'il y a eu dans le cadre de ce mouvement que les médias appellent « gilets jaunes », auquel je ne m'associe pas, parce que moi je suis contre tous les uniformes, donc je ne suis pas gilet jaune, je ne suis pas bonnet rouge, je ne suis pas foulard rouge, je ne suis pas chaussette noire, enfin, je m'en fous, moi. Si je dois lutter, c'est pour des idées. C'est pas pour du pétrole moins cher à la pompe. Si je veux du pétrole moins cher à la pompe, je ferme les yeux et puis je les laisse décapiter Ali. Et puis je suis admiratif d'Emmanuel Macron quand il fait des courbettes devant Mohamed Salman Al Saoud ou devant le roi du Maroc. Je me dis, tiens, ça c'est quelqu'un qui a du savoir-être. Voilà, moi, pour moi, c'est une petite frappe, une petite crapule, un type infréquentable. Voilà, c'est un voyou. Un criminel voyou, comme les autres. Voilà. Et donc, que par contre, ils profitent de nous faire croire que les entreprises qui commercent avec ces criminels, ils font que du commerce. Non, c'est faux. On ne peut pas commercer avec des pays qui sont sexistes institutionnellement ou qui ne respectent pas les droits de l'homme. Je laisserai répondre aux remarques pertinentes oui. De Franck Payen qui te demande si tu es tout nul à vite à l'air. Non, je suis pas tout nul à vite à l'air. Et donc voilà, qui est nuisible? Qui est nuisible? Ça, c'est la véritable question. Aujourd'hui, on a des gens qui sont non seulement des parasites, mais qui sont extrêmement nuisibles. Donc Emmanuel Macron est nuisible. Mais moi, je ne demande pas sa démission. Parce que si j'exigeais la démission d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que j'attends qu'on élise une autre personne à sa place. Et moi, ce que je conteste, c'est le présidentialisme. Donc, je ne vais pas demander la démission du président si c'est pour que les gens réélisent un président. Ça n'a strictement aucun intérêt. Voilà. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que...